体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力、見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Et juste tout le monde, c'est Hansei, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble de l'épisode 88 de Dragon Ball Super. Alors comme beaucoup d'entre vous, je suppose, l'épisode 88 je l'attendais énormément, d'une part parce que c'était l'occasion de revoir Gohan et Piccolo ensemble, en plus pour un entraînement, donc c'est pas rien, et surtout c'est un épisode qui, eh bien, potentiellement pouvait préparer le terrain au futur retour, la remise en avant de Gohan, même si ça avait déjà été amorcé en début d'arc, eh bien c'était l'occasion d'amplifier un petit peu de cela et voir bien ce qu'on préparait autour du personnage. Alors l'épisode 88, pour moi, tient pas forcément toutes ses promesses. Alors, faut quand même prendre un peu de recul, on est quand même face à quelque chose d'assez secondaire comme épisode, on pourrait même dire une sorte d'épisode fillers. Je ne sais pas si vous suivez vraiment l'actualité autour de Dragon Ball Super, mais on sait que le manga doit rattraper l'anime, même le dépasser, et on sent bien ici que l'anime essaye de faire traîner les choses. Ça a donné des épisodes plus ou moins intéressant. Il y a eu des belles surprises quand même, il y a des épisodes, je vous le disais, que je n'attendais pas du tout et je m'attendais à ce qu'ils soient vraiment mauvais et qui finalement étaient plutôt très très bons. Et à contrario, t'as des épisodes forcément que t'attends énormément, donc quand tu suis un petit peu l'actualité, les synopsis, tout ça, quand tu vois qu'il va y avoir un épisode Piccolo Gohan, la hype est présente. Et du coup, moi je suis ressorti un petit peu déçu de cet épisode, peut-être parce que j'avais un petit peu trop d'attentes. Mais globalement, je suis ressorti assez déçu de l'épisode. Alors attention, je dis pas que l'épisode est mauvais, mais j'irai pas dire non plus qu'il est bon. Pour moi, l'épisode, il est vraiment divisé en deux parties. Tu vois, quand tu mets ton épisode, t'as une sorte d'entracte au milieu. Pour moi, ça sépare vraiment les deux parties. C'est-à-dire que t'as une première partie que, pour ma part, j'ai trouvé vraiment mauvaise, vraiment très mal rythmée. J'ai trouvé que ce que ça racontait était pas très clair et que, surtout, quand ça amorçait quelque chose, c'était tout de suite désamorcé par une scène complètement inutile, enfin du moins que je n'avais pas envie de voir. Attention, c'est des avis toujours subjectifs que je vous donne. C'est vraiment mon ressenti sur les choses. Alors qu'au contraire, la deuxième partie d'épisode, là, me montrait des choses que j'avais envie de voir, faisait des petites ellipses, des petites bulles sur des choses très intéressantes aussi et qui surtout ne désamorçaient pas ce que l'épisode était en train de mettre en place. Donc j'avais vraiment l'impression que l'épisode a été réalisé par deux personnes complètement différentes, avec une vue complètement différente. Et surtout, le pire, c'est que ces deux parties d'épisode, concernant la relation entre Gohan et Piccolo, pour moi, racontaient foncièrement la même chose, sauf qu'elles ne le faisaient pas de la même manière. T'en as une qui s'en sortait pas du tout, et l'autre qui s'en sortait très bien. Donc c'est vraiment le ressenti que j'ai eu sur cet épisode. Du coup, j'ai eu vraiment du mal à réfléchir à ce que j'allais vous dire sur l'épisode, parce que quand j'ai fini mon premier visionnage, je ne savais pas si j'étais complètement déçu ou si j'étais super hypé. Parce que le problème que j'ai eu, c'est que la deuxième partie, je l'ai vraiment trouvée, pour ma part, vraiment très bonne. Mais le problème, c'est vu que c'est assez court, tu restes vraiment sur ta faim, en fait. Alors, ce que je reproche, en fait, à la première partie d'épisode, c'est que quand tu me vends un épisode Gohan Piccolo, surtout en entraînement, forcément, t'as plein de trucs qui te reviennent en tête. Alors, je ne sais pas, vous, quel est votre ressenti sur cette relation entre les deux personnages, mais moi, je sais que dans le manga, c'est quelque chose d'assez secondaire, ça se déroule très vite, donc beaucoup moins marquant. Par contre, quand j'ai vu l'anime, gamin, surtout le début de DBZ, c'est quelque chose qui m'avait énormément marqué, cette relation Piccolo-Gohan. Parce que déjà, elle s'est allée beaucoup plus sur le temps, elle était assez forte et surtout, elle était omniprésente du début de DBZ jusqu'à la fin de l'arc Cell. Un petit peu moins présente dans la deuxième partie, mais c'est quelque chose qui, du coup, m'avait vraiment marqué. T'as vraiment cette notion de l'enfant qui avait changé le démon et aussi, par les yeux de Gohan, tu voyais vraiment qui voyait Piccolo comme un héros, tu vois, c'est au-delà de son sensei. On voit qu'il idolâtre Piccolo et que les paroles de Piccolo sont sacrées pour Gohan et qu'il suivra toujours les avis de son sensei, malgré le fait que Piccolo a été très dur avec lui au début. Du coup, c'est quelque chose d'assez marquant pour tout fan de la série et surtout du début de DBZ. Donc forcément, quand tu me vends un épisode avec ces deux-là, et surtout un épisode qui est censé faire une leçon et qui est censé faire une sorte de prise de conscience pour Gohan, j'ai des attentes, tu peux pas faire autrement.
Donc, j'espère avoir des allusions peut-être par rapport aux anciens épisodes, des petites anecdotes, pourquoi pas, mais surtout retrouver peut-être aussi cette relation qui est assez spéciale et particulière entre les deux. Le problème, c'est que dans la première partie d'épisode, je ne retrouvais pas du tout cette relation. Et le pire, c'est que quand l'épisode commence à amorcer des choses assez intéressantes, comme la leçon qu'il est en train de donner à Piccolo, que Piccolo est en train de donner à Gohan et qui est très forte, donc sur le fait que Gohan compte un petit peu trop sur ses power-ups, sur ses crises de colère, sur le fait qu'il a envie de défendre les gens, qu'il a peur de les perdre, et qu'il essaye de l'expliquer, tu ne peux pas compter que là-dessus, et tu n'as pas l'esprit d'un combattant, du moins tu ne l'as plus, et il faut que tu récupères cet esprit-là, il faut aussi que tu saches accepter la défaite, que Gohan n'accepte pas le fait qu'il puisse tout perdre, il faut que tu acceptes ça pour devenir plus fort, et du coup, gagner, tu peux gagner, mais il ne faut pas que tu te focalises que sur la victoire, il faut que tu te focalises sur le combat, c'est ce que, qu'essaye de dire Piccolo à Gohan. Le problème, c'est que c'est pas très clair, et surtout, quand l'épisode amorce ça dans la première partie, eh bien, c'est désamorcé par des scènes, qui pour ma part, c'est encore subjectif, mais que je trouvais inutile et que j'avais pas envie de voir, la scène avec Bulma. Honnêtement, cette scène, moi, elle m'a sorti du coup un peu de mon épisode, et montrer ça, même si je comprends la logique derrière du fait de montrer pourquoi Beelus et Whis ne veulent pas leur dire la vérité, pour en gros ne pas casser ce petit moment paisible avant peut-être la tempête, tout ça, et puis parce que aussi t'as le petit moment comique avec le fait que Bulma pour engueuler Beelus, machin, bon, ça donne le sourire. Mais c'est dommage, ça casse le truc. Et du coup, bon, pour ça, la première partie d'épisode, je me dis, merde, j'ai l'impression que c'était un épisode qui faisait le yo-yo. Et deuxième partie, déjà, tu commences par une scène très intéressante que j'avais envie de voir depuis très longtemps, donc avec Kyabe et tout ça. On y reviendra enfin pour pas casser ce qu'on est en train de dire sur Gohan et Piccolo. Et ensuite, tu reprends le récit avec Gohan Piccolo. Et là, j'ai l'impression, finalement, ça raconte la même chose. Piccolo est en train de donner la leçon à Gohan sur le fait qu'il doit récupérer son esprit combatif, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Et là, c'est beaucoup plus intéressant. Du coup, Piccolo renchaîne avec autre chose qui est très important sur le personnage de Gohan, c'est que Gohan, à partir du moment où il a le pouvoir, il est beaucoup trop sûr de lui. Beaucoup trop sûr de lui, et surtout, quand le combat semble terminé aux yeux de Gohan, qui pense avoir gagné, il a tendance à relâcher sa vigilance. On l'a vu lors de son dernier combat aussi, où il se faisait piéger. On l'a vu face à Cell, où, entre guillemets, à cause de lui, Goku est mort. On l'a vu face à Boo, où du coup, il se faisait absorber. Et du coup, Piccolo le piège aussi, et il relâche, il fait en sorte que Gohan se relâche, pense avoir gagné le combat, et il le piège et lui donne un coup qui choque Gohan. Pour lui donner cette leçon, ne baisse jamais ta garde jusqu'à ce que le combat soit terminé. Donc on aura peut-être des allusions, je l'espère, à ça plus tard dans les futurs épisodes. Mais là, c'était intéressant et là, c'était bien amené. Et surtout, on nous a pas cassé toute cette scène par d'autres scènes pas intéressantes, tu vois. En plus, quand t'as la phrase donc, de Piccolo qui lui dit « Mais t'as pas besoin du Super Saiyajin, récupère, redeviens celui que tu étais, en gros. » Donc, l'appel au potentiel éveillé, tout ça est pour le coup beaucoup mieux amené. En plus, là, c'est souligné par une animation qui est déjà plus propre que dans la première partie, j'ai trouvé. La transformation au potentiel éveillé, j'ai vu qu'elle faisait quelques débats sur les réseaux. Certaines personnes n'ont pas forcément aimé comment Gohan récupère cette transformation. On dirait qu'il a une sorte de power-up entre Super Saiyajin 2 et le potentiel, comme s'il passait au stade supérieur, alors que finalement, c'est pas du tout ça. Normalement, il est en forme normale et il libère son potentiel éveillé. Bon, moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. J'ai trouvé l'animation assez propre à ce moment-là. J'aimais même la scène, le fait comment il récupère sa transformation, très stylé. En plus, il y a quelque chose qui m'a conforté dans une de mes idées, c'est que tu as un aspect très divin au moment de sa transformation. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça rappelle vraiment la première transformation du Super Saiyajin God dans l'anime de Goku, où tu as le ciel qui se dégage comme ça, cette espèce de lumière divine qui descend sur lui, tu as les particules, tout ça, et il réactive le potentiel éveillé. Et je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que l'anime, j'avais l'impression qu'il prenait une direction vraiment différente du manga et qu'il essayait de donner une transformation propre à chaque personnage. Donc, t'as Goku avec son Super Saiyajin Blue, Kaioken, t'as Vegeta qui en a pas encore, t'as eu Ikali Trunks avec cette espèce de croisement entre Super Trunks et l'aura divine. Je me dis pourquoi pas la même chose avec Gohan, donc une sorte de Gohan potentiel éveillé croisé avec une aura divine. Je me dis pourquoi pas. L'épisode laissait planer un petit peu le doute. T'as des petites allusions en fin d'épisode aussi sur Piccolo qui lui dit on va essayer de t'entraîner, de voir jusqu'où tu peux aller, ça t'intéresse, tout ça.
Donc pourquoi pas. Donc on va terminer sur une autre scène qui était très intéressante pour le coup, qui nous sortait un petit peu donc, de la relation Gohan-Piccolo, mais qui n'était pas désagréable. C'est la scène où Kyabe débarque sur la planète Salada. Donc je vous le disais, hein, ça fait très longtemps que je veux voir cette planète, je veux voir comment c'est fait. Donc c'est une planète qui semble très sauvage. C'est l'occasion de rencontrer finalement le mentor de Kyabe, donc son sensei, donc Renso, si de mémoire je crois qu'il s'appelle comme ça, un personnage que j'ai trouvé très intéressant, qui sort vraiment un petit peu de ce qu'on a pu voir d'habitude des Saiyajin, un personnage assez paisible, assez à la cool. Il a un petit côté vieux Ronin, tu vois, vieux samouraï, pas désagréable, j'ai beaucoup aimé le chara-design du personnage et même son tempérament, j'ai bien aimé. Et du coup, bon, on voit que Kyabe essaye de tout faire pour recruter Renso. C'est assez marrant aussi de voir que l'univers 6 est au courant d'entrée de jeu des enjeux de ce tournoi. Du coup, il y a peu de chances que l'univers 7 arrive à garder le secret très longtemps, hein, et je pense qu'une fois arrivé au tournoi, les autres membres de la Z-Team vont forcément apprendre les enjeux de ce tournoi, puisque tu vois que les autres univers sont au courant, concrètement. Donc, du coup, il essaye de recruter son sensei, et il lui dit non, mais par contre, tu peux recruter ma petite sœur. Donc, on a enfin le premier visuel donc, de cette fameuse Saiyajin qui avait fait quand même, on va dire, entre guillemets, couler beaucoup d'encre lors du thriller de ce nouvel arc. Et du coup, donc, aucun lien de parenté avec Kyabe, mais il le semble déjà la connaître. Elle s'appelle Kalifula. Alors, je pense que je vous le prononce mal, donc je suis désolé. Donc, Kalifula, ça veut dire chou-fleur, donc on reste dans le thème Saiyajin, tout ça. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au moment où tu la vois, elle fait vraiment très rebelle, tu vois. Elle est entourée de personnages qui ont l'air assez mal famés. La réaction de Kyabe envers ce personnage, on voit qu'il dit « j'ai un petit peu de mal avec elle ». Du coup, ça me conforte dans mon idée. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les plus anciens qui me suivaient lors de mes reviews sur le tournoi Univers 6-7, je vous avais dit que quand on nous parlait de cet Univers 6, on nous vendait des Saiyajin qui étaient les gardiens de la paix, un petit peu les garants de la galaxie, les protecteurs de l'univers, tu vois. Et du coup, je disais « ouais, mais dans un peu, rien n'est tout noir et rien n'est tout blanc ». Donc si du côté de notre univers 7, c'était le total opposé et on avait un peuple Saiyajin qui était vraiment des mercenaires, c'était vraiment des pourris, ils travaillaient pour Freezer, même avant de travailler pour Freezer, voilà, ils conquéraient des planètes, voilà, ils exterminaient des peuples entiers, mais malgré tout ça, dans ce peuple-là, t'avais des gens qui étaient plutôt bons. On l'a appris notamment avec le rituel du Super Saiyajin God, on l'a vu avec Goku, même si c'est le fait qu'il s'est cogné la tête, même Vegeta a réussi finalement petit à petit à changer, donc t'as quand même du bon. Donc il peut forcément y avoir du mauvais dans le peuple Saiyajin de l'univers 6, et je suis très content qu'on nous montre ça par Kalifula. Alors j'espère que ce sera plus développé derrière, j'ai hâte de voir son tempérament, mais du coup ça a l'air d'être le côté malfamé un peu des Saiyajin de l'univers 6, peut-être des rebelles qui ne sont pas en accord avec les règles de Salada, tout ça. En plus, bah, pour le coup, hein, à la base, j'étais pas du tout hypé par ce personnage. J'étais hypé concrètement par l'idée d'une Super Saiyajin, mais quand j'ai vu le personnage, alors rien sur le fait qu'elle ressemblait à Broly, c'est pas forcément ça qui m'a déçu, même si c'était une de mes déceptions, mais surtout, je trouvais toute franchie son chara-design dégueulasse. Et ils ont fait une refonte. On voit que ça a été retravaillé. Ça a beaucoup changé, beaucoup évolué petit à petit depuis la première fois qu'ils l'ont montré. Elle n'a plus rien à voir avec les premiers visuels qu'on a d'elle. Et je la trouve beaucoup plus stylée, beaucoup plus badass. J'ai même l'impression qu'ils ont changé d'ailleurs complètement d'optique sur le personnage, puisque les visuels qu'on avait vus la première fois d'elle, et même dans son tempérament, dans ce que ça avait l'air de donner, on sentait un personnage assez réservé, assez timide, tu vois, et qui explosait de colère et devenait ce monstre bodybuildé. Et ben là, j'ai l'impression qu'ils ont pris une totale autre direction. T'as l'impression de voir un personnage sûr d'elle, quoi. Elle a l'air vraiment sûre d'elle. C'est un leader. Ça a l'air d'être une sorte de rodelle. Elle est dans son trône, tout ça. Elle en impose, tu vois. Et surtout, elle a l'air d'avoir un gros potentiel d'après Renso. Et d'ailleurs, Renso, vous avez remarqué, mais face au Super Saiyajin, il est pas tellement surpris que ça, tu vois. Je sais pas, quand tu vois un Super Saiyajin pour la première fois, je m'attendais à une réaction beaucoup plus ouf. Il a pas l'air si étonné que ça. Il dit ah ouais, c'est cool. Comme s'il en avait déjà vu un, tu vois. Donc, je serais pas surpris qu'on nous amène ça un peu plus tard avec la fameuse transformation, certainement, de Kalifula. Qui aura peut-être changé aussi, hein, d'ailleurs. On aura peut-être un petit peu autre chose par rapport au premier visuel qu'on avait d'elle. Donc, du coup, bah, ils ont réussi à me hyper sur ce personnage qui, à la base, me hypait pas. Déjà par son chara-design que je trouve beaucoup plus classe. Je la trouve vraiment très, très classe comme ça. Et par cette petite mise en scène qui dure quelques secondes, la hype était présente. Voilà, globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. N'hésitez pas à me faire part de votre avis dans l'espace commentaire, c'est très important, parce que bah, je fais ça justement pour avoir votre avis. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur peut-être la potentielle future transformation
de Gohan. N'hésitez pas aussi à me faire part de votre avis sur la petite anecdote qu'on a eue avec la combinaison de techniques. Hein. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir un Makoko Zampo Sensei élève? Parce qu'après tout, on a eu le Kamehameha père-fils, le Vegeta Trunks, donc le canon des guerriers père-fils. Hein. On va peut-être avoir quelque chose entre Gohan et Piccolo. J'ai hâte de voir ce que ça va être, ce fameux combo. Et puis, eh bien, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Tchuss.